Avant de l'embaucher, ce directeur lui a donné une puissante leçon. Un jeune garçon avait un rendez-vous dans une grande entreprise pour un entretien d'embauche. Il avait réussi tous les tests et l'entretien avec le responsable s'est terminé avec succès. Il ne lui restait donc que la dernière étape. Il devait se préparer à rencontrer le directeur général pour un entretien final. Le directeur avait vu son CV. Il avait déjà un aperçu sur sa carrière et s'était déjà fait une petite idée sur lui. Lors de l'entretien physique, il lui demanda « Avez-vous déjà reçu une bourse d'études lorsque vous étiez encore étudiant ?»« Non, » répondit le jeune garçon. Le directeur lui dit « C'est donc votre père qui a payé vos études ?»« Oui, c'est mon père, monsieur, » répondit le jeune. « Sans indiscrétion de ma part, où travaille-t-il ?» demanda le directeur. « Mon père est forgeron, » répondit le garçon. Le directeur demanda alors au jeune de lui montrer ses deux mains. Le jeune garçon ne comprenait pas où le directeur voulait en venir, mais il lui a montré ses mains. Elles étaient douces et très lisses. « Avez-vous déjà apporté de l'aide à votre père dans son travail ?» demanda le directeur. « Jamais. Mes parents me demandaient toujours de me concentrer sur mes études et de consacrer tout mon temps libre à la lecture, » dit le garçon. C'est à ce moment que le directeur lui a demandé quelque chose hors du commun, en lui disant « À votre retour à la maison, aujourd'hui, lavez les mains de votre père et revenez me voir demain matin. » Après être rentré chez lui, le jeune demanda à son père de lui laver les mains. L'étrange demande a surpris le père, mais il a fini par lui donner ses mains et son fils les a lavées avec soin et attention. C'était la première fois qu'il voyait de près les mains de son père. Elles étaient blessées, couvertes de cicatrices et très rugueuses. C'était la première fois que ce garçon a pu réellement comprendre ce que signifiait de travailler tous les jours pour pouvoir payer ses frais de scolarité et subvenir à tous ses besoins. Le prix de son éducation et de son avenir n'était autre que les blessures qu'il voyait sur les mains de son père. Après lui avoir lavé les mains, le garçon et son père ont eu une longue conversation cette nuit-là. Le lendemain matin, le jeune s'est rendu à nouveau chez le directeur de l'entreprise comme convenu. Il avait les larmes aux yeux et c'était clair qu'il n'avait pas bien dormi. « Racontez-moi ce que vous avez fait hier soir chez vous, » lui dit le directeur. « J'ai lavé les mains de mon père et j'ai discuté avec lui, » répondit le jeune. « Et avez-vous appris quelque chose ce soir-là ?» demanda le directeur. « Maintenant, je sais que sans mes parents, je ne serais pas l'homme qui est assis devant vous aujourd'hui. En lavant les mains de mon père, j'ai compris à quel point il est difficile de faire les choses par moi, tout seul. J'ai compris la véritable valeur de mes parents, » dit le jeune. « C'est exactement ça que je cherche. Je veux embaucher des gens qui connaissent la valeur de l'entraide et qui l'apprécient. Des gens qui savent pertinemment que l'argent n'est pas l'unique objectif dans la vie. Alors, bienvenue parmi nous, » dit le directeur. Un enfant que l'on protège et à qui on donne tout ce qu'il désire finit par avoir une mentalité du genre « J'en ai le droit, cela m'est dû. Vous êtes obligé de me l'offrir. » Cet enfant ne sera pas reconnaissant et ne valorisera jamais l'effort de ses parents, de sa famille et de ses amis. Démontrez votre amour à vos enfants, offrez-leur ce qu'ils veulent en étant raisonnable. Mais n'oubliez pas de les impliquer également dans les tâches de la vie quotidienne, car un enfant a besoin d'expérimenter les difficultés que l'on affronte tous les jours. Il doit connaître l'échec pour mieux savourer le goût du succès. Alors, êtes-vous le genre de parents hyper protectifs qui offrent absolument tout à leurs enfants ? N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.